durant cette deuxième page, la saga de Roddenberry allait rentrer dans une nouvelle phase. Une phase qui mêlerait renouveau et nostalgie, le temps d'un passage de flambeau cinématographique symbolique. Car durant le cheminement de la première partie de cette saga, une nouvelle page se tournera pour celle-ci du côté du petit écran. Une page qui se verra transmise par la suite vers le cinéma pour donner lieu à une rencontre qui marque encore aujourd'hui les esprits des fans de la série. Une rencontre qui amènera des légendes de l'univers à se rencontrer et à faire équipe le temps d'un film qui servira de pont entre deux instants forts de la série. En passant dans les années 90, la saga se voit obligée de faire peau neuve pour passer dans un nouvel univers cinématographique, celui du numérique pour commencer sa révolution et devenir un univers plus vaste où l'inconnu devient aussi un élément derrière la caméra. La saga va donc tout au long des années 90, jusqu'au début des années 2000, commencer une mutation qui donnera un peu plus de cachet à l'univers, mais qui laissera ses auteurs perdus face à un monde peut-être un peu trop vaste pour leurs esprits. Pour autant, cela donnera lieu à des œuvres parfois passionnantes, par moments intrigantes, mais presque toujours intéressantes, surtout dans leur manière de regarder le monde qui se met en place, et portant également un regard politique sur notre société. C'est ainsi que la saga va se reconcevoir dans les années 90, non plus comme une saga cherchant à regarder dans le futur, mais comme une saga cherchant à sonner comme une alerte par rapport au monde dans lequel les Américains évoluent. Le sixième film de la série signe un retour, celui de Nicholas Meyer, auteur du deuxième long métrage de la saga, qui revient derrière la caméra pour un film renouant mieux avec les origines qui ont fait le succès de la série. Le sérieux est de retour pour servir à nouveau avec force un message politique qui donne une noirceur évocatrice au parcours des personnages et qui prépare également le spectateur à un retournement de situation qui amènera les héros à se remettre en cause dans l'épisode suivant. Ce nouvel épisode redonne un peu de noblesse à la série, permet au personnage de regagner force et profondeur et surtout permet à la saga d'avancer et de rester en phase avec son temps et son art. Le septième film est emblématique, pas forcément une grande réussite, mais surtout emblématique car c'est un passage de flambeau important entre deux générations de l'univers qui s'opère, le temps d'un film qui marquera les cinéphiles. L'intérêt de cette œuvre, au-delà de passer le flambeau donc, est la vraie ambition scénographique de David Carson au cœur de l'œuvre, qui impose un visuel en phase avec le début des années 90 pour un moment de cinéma qui en impose. Car il est vrai qu'au-delà du pari visuel, le film reste assez classique, ne parvenant pas à mettre en relief les deux générations et se contentant simplement de le faire comme s'il ne s'agissait que d'un rituel de passage obligatoire. Et en un sens, c'est à partir de là que la série va se perdre, car avec cet épisode 8, la série semble simplement avoir un cahier des charges à respecter, ne cherchant plus à aller au-delà de cela et cherchant simplement à contenter le public. Cela se voit, car cet épisode ressemble trop au quatrième, même s'il est plus juste dans son jeu avec l'humour et avec l'action, qui est plutôt bien mené, mais voilà, cela reste tout de même convenu et un peu trop classique pour réussir à nous emporter totalement. C'est cela qui est dommage, car pourtant, c'est l'acteur Jonathan Frakes, acteur sur la série, qui par sa réalisation a peut-être le mieux compris comment mettre en scène visuellement l'univers Star Trek, le film se perdant vraiment par son histoire et son côté trop référencé. L'épisode 9 ne changera pas grand-chose, même s'il reste tout de même un peu au-dessus que le précédent, notamment grâce à une histoire entraînante et au charisme des personnages que Frakes parvient à capter avec une justesse et une efficacité rares. La mise en scène reste la même, jouant entre le vintage et le moderne, parvenant ainsi à s'équilibrer sur l'ensemble du récit de manière assez élégante, ne se perdant ainsi pas trop dans un trop-plein de références à la série. L'efficacité vient ainsi avant tout d'un ton plus noir, assumé, avec des touches d'humour plutôt élégantes, qui donnent le ton des blockbusters de cette époque, montrant le côté caméléon de la saga par rapport à son temps. Mais c'est avec ce dixième épisode que la saga se posera la question de sa légitimité, celui-ci manquant clairement de punch, mais surtout et avant tout, sonnant comme un vrai malaise au sein de la série. Manquant d'inventivité, sonnant terriblement creux et se rapprochant trop d'un format télé, ce dixième volet montre un manque de créativité qui planait depuis quelques années sur la série et qui demandera aux créateurs de se remettre en cause avant de relancer la saga au cinéma. C'est le monteur Stuart Baird qui livrera ce dernier long métrage de la nouvelle génération Star Trek et son geste manque de justesse, jouant trop la carte des effets numériques malgré un scénario signé par John Logan, futur auteur sur la saga James Bond. Faisons une nouvelle pause ici. Entre les mains de ces 4 metteurs en scène, la série de Gene Roddenberry rentre dans un train-train qui ne lui réussira pas et qui fera qu'elle prendra une longue pause avant de revenir sur le devant de la scène cinématographique. Même s'il y a un retour à la réalisation et un acteur qui passe une nouvelle fois derrière la caméra, la saga manque tout de même de renouveau et se repose un peu trop sur ses acquis, ne chargeant pas assez la nouveauté qui aurait fait sa réussite. L'univers des premiers auteurs de la série de Roddenberry ne se retrouve pas ici au centre de l'univers cinématographique, même si pour autant, il est difficile de dire que ces nouveaux auteurs ne cherchent pas à créer quelque chose avec ces nouveaux personnages. Là où les précédents réalisateurs cherchaient à comprendre l'univers de Roddenberry avant de l'adapter à leur vision du monde, seuls deux de ces auteurs font cela ici, les autres cherchant simplement à jouer avec leur époque en faisant en sorte que la saga évolue techniquement. Ainsi, les films gagnent en cachet, mais perdent en originalité, ne parvenant pas à rattraper le manque clair et net d'imagination au cœur de ces 5 nouveaux longs métrages décevants, mais tout de même divertissants. On peut admettre que la série a perdu en inventivité, mais elle n'a rien perdu en qualité. Les films ici présents étant impressionnants au niveau de l'esthétisme, réussissant à jouer avec les époques, avec les avancées technologiques et avec les modos créateurs de divertissement.
Oui, la série a perdu en générosité au niveau de son univers, mais qu'est-ce qu'elle a bien réussi à évoluer avec son temps, parvenant à combler en partie son manque de créativité par un travail du graphisme flagrant. Ainsi, même si la série méritera de se remettre en cause, il faut tout de même admettre que celle-ci n'a rien perdu de son ambition visuelle et que cela se retrouvera également dans la mise en scène de Abrams lorsque celui-ci reprendra la saga en main. La saga prendra une pause de 7 ans avant de revenir sur le devant de la scène entre les mains d'un concepteur audiovisuel rare qui lui redonnera de sa superbe de manière intelligente et novatrice.